Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous allons à nouveau avoir le plaisir d'entendre le docteur Annalisa Ruggeri qui va nous parler des problèmes de perte de mémoire après les chimiothérapies. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Sur les troubles, alors les troubles de la mémoire, c'est une complication dont beaucoup de gens parlent. Moi, je l'ai senti. Hein. Enfin, je beaucoup, senti, beaucoup hein. De patients. Ouais. Et indépendamment du domaine de la hématologie, dans les spécialités des cancers différents, ouais. Il y a beaucoup d'études sur les troubles de la mémoire post-chimiothérapie. Parce qu'il y a des cellules microglia, ça vous dit quelque chose? Glia, microglia. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est les cellules qui sont autour des nerfs, oui. Qui est ciblé par la chimio. En fait, comme vous disiez tout à l'heure, la chimio détruit les cellules qui sont bonnes. Et cette cellule de la microglia récupère très lentement. Donc, c'est pour ça que les troubles de la mémoire, on sait, ça fait partie des effets indésirables de la chimio. Et c'est réversible parce que la microglia récupère, mais très, très lentement. Parce que les cellules neuronales sont très lente, c'est pas comme la moelle, en 21 jours, récupère. Vous avez à nouveau des plaquettes, 21 plus ou moins, mais ça récupère. Alors que la récupération de l'attente au niveau de ces cellules de la microglie est beaucoup plus lente, mais voire des années. De toute façon, tout ce qui est neurologique, c'est récupération lente. Très, très lente. Donc, souvent, les patients ne se rend même pas compte de la récupération parce qu'ils s'habituent à cet état de perte de mémoire et à la fin ils ne font pas non plus attention et nous disent non, ça va pas, et c'est plutôt les gens de l'entourage qui disent mais non, ça va mieux, c'est plus objectif, subjectivement les patients ne se rendent pas compte. Ah d'accord. C'est vraiment, moi je m'étais rendu, ouais, j'avais le sentiment de m'être rendu compte, mais ouais. D'avoir récupéré. Oui, d'avoir récupéré, ouais. Ouais. Non, des fois, ça, au moins dans notre expérience, c'est plutôt les gens qui disent non, mais ça va, que ça, c'est des démonstrations que ça va mieux, mais très très lentement. Ok. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous avons appris des choses précieuses sur les pertes de mémoire liées à la chimiothérapie. Et j'espère que ça vous a été très 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 utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles renaissances.